Bienvenue à tous dans cette nouvelle séance de minuit. La Nonne est enfin sortie au cinéma et vous êtes nombreux à être allés le voir. Mais il y a sûrement quelques petites choses que vous n'aviez pas remarquées. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques petits détails que l'on peut voir dans le film ainsi que des anecdotes sur le tournage. Dans le premier Conjuring, on pouvait voir Ed et Lorraine Warren présentant une vidéo devant leurs élèves. Cette vidéo représente un homme en plein exorcisme, pleurant des larmes de sang. Ed nous apprend que cet homme est un fermier québécois, nommé Maurice. Dans La Nonne, on apprend à la fin du film que le jeune homme qui se fait appeler Frenchie s'appelle en réalité Maurice. Il s'agit bien de la même personne. Dans le film La Nonne, qui se déroule des décennies avant Conjuring, on peut voir Valak lui vomir un serpent dans la bouche, ce qui permet au démon de prendre le contrôle du corps de sa victime et de survivre à travers lui avant de ressortir des années plus tard. Dans Conjuring 1, on apprend donc que Ed et Lorraine ont participé à l'exorcisme de Maurice. Dans Conjuring 2, qui se passe dans les années 70, Lorraine aperçoit pour la première fois Valak sous la forme de la Nonne. La sœur Irène, jouée par Tessa Farmiga, est envoyée par le Vatican pour enquêter sur les faits étranges qui se déroulent dans l'abbaye. Lorsque le père Burke vient la chercher, il lui dit que si le Vatican lui confie cette tâche, ce n'est pas pour rien. L'action se déroulant en 1952, soit une vingtaine d'années avant Conjuring 1 et une trentaine avant Conjuring 2 et les événements d'Amityville, est-il possible que Lorraine Warren et Irène soient connectées? Qu'elles aient un lien de parenté, ce qui expliquerait pourquoi le démon s'en prend à elle dans deux époques différentes. Car comme on peut le voir dans le premier Conjuring, le démon se présente à elle de la même façon. Alors qu'est-il arrivé à Irène? Le saurons-nous dans un prochain film qui fera suite à La Nonne? Et pour aller plus loin, sachez que ces deux actrices, Tessa Farmiga et Vera Farmiga, sont en réalité sœurs. Dans Conjuring 2, on pouvait apercevoir le nom Valak dans plusieurs éléments du décor de la maison de Lorraine. C'est le cas également dans La Nonne. Alors ouvrez l'œil si vous allez revoir le film, car à plusieurs reprises, on peut apercevoir le nom Valak, que ce soit sur les vitraux de l'abbaye, lorsque l'une des sœurs se suicide, ou sur la plaque d'immatriculation de la camionnette sur laquelle les personnages posent leurs bagages, mais également parmi les arbres dans le cimetière. Au début du film, on peut voir la sœur Victoria se suicider avec une corde en se jetant de la fenêtre alors que le démon s'approche d'elle. Plus tard dans l'histoire, on apprend que les sœurs qui accompagnent Irène dans la pièce afin de prier contre Valak ne sont en réalité pas là, et qu'elles sont mortes depuis longtemps. On peut donc comprendre que la sœur au début se suicide uniquement afin que Valak ne puisse pas prendre possession de son corps, qu'il ne puisse pas quitter l'abbaye. Les nonnes que l'on croit voir vivantes au début du film sont donc toutes mortes, et Valak n'autorise que Irène à rentrer afin de pouvoir se mettre en possession de son corps. Durant tout le film, Valak fera vivre à Irène les trois stades de prise de contrôle, infestation, oppression et enfin possession. Il s'est également passé des choses étranges sur le tournage de ce film, et le réalisateur, Corin Hardy, était seul avec sa caméra pour tourner une scène dans le couloir de l'abbaye. Il vit derrière lui deux silhouettes, et pensant que c'était deux membres de l'équipe, il reprend son tournage. Une fois la prise finie, il se retourne vers les deux personnes qu'il avait vues, mais elles avaient disparu. Sachant qu'il n'y avait aucune sortie sans passer devant lui, le réalisateur fut assez effrayé de se rendre compte qu'il avait eu affaire à des esprits. Lorsque le père Burke et Irène arrivent à l'abbaye, on peut voir de grandes tombes de pierre. Sur le dessus, on peut y voir sculptés des corps. Eh bien, saviez-vous que les visages sur ces corps sont ceux du réalisateur et de trois autres membres de l'équipe qui se sont fait mouler leurs visages? Une bien curieuse façon d'apparaître dans le film. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur La Nonne, qui est un film que je vous conseille d'aller voir au cinéma si ce n'est pas déjà fait. L'ambiance et les décors sont vraiment magnifiques, et si vous avez apprécié les deux Conjuring, celui-ci est vraiment un volet de l'histoire à ne pas manquer. Il y a sûrement d'autres secrets ou références cachées dans le film, alors n'hésitez pas à me faire part de vos trouvailles en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de minuit.